Bonjour. Alors, nous avons lu un texte en classe qui s'appelle Ils disent que je suis une beurette. Et dans le texte, il s'agit de Samia, qui est une jeune fille musulmane. Samia est née en France, mais ses parents sont immigrants au Maghreb. L'action se déroule en France, mais ils ne partent où plus exactement. Ils en étaient même au camp, l'action se déroule, on ne le sait pas, mais je m'imagine que c'est un autre jour. Bref, le problème dans l'histoire est ce que Samia est tombée amoureuse de Ludovic, mais pendant les vacances, il a vu une autre fille qui habite dans son quartier. Il a choisi cette fille parce que c'est plus facile avec elle que Samia, parce qu'elle ne peut pas apprendre avec lui après l'école. Naturellement, Samia est triste et d'ailleurs, elle ne peut pas expliquer à sa mère pourquoi elle est triste, parce qu'au fond, elle n'a pas la permission d'être en compagnie des garçons. Ce texte me fait penser à l'autre texte que nous avons lu en classe qui s'appelle Layla. Et dans ce texte, il s'agit d'une jeune femme musulmane, une maghrébine. Elle est élevée dans une famille traditionnelle et à l'école, elle rencontre la culture française. Elle a 10 petits frères et seulement une petite sœur. L'histoire se déroule en France, peut-être à Paris ou dans une banlieue de Paris. Je crois que c'est dans une grande ville parce que la famille habitait dans un appartement au troisième étage. Je ne sais pas quand l'action se déroule, nous n'avons pas une date exacte, mais je crois que c'est pendant notre temps. Bien, bon, la famille de Layla est, comme je l'ai dit, traditionnelle et aussi intégriste. Par exemple, Layla doit rester à la maison pour mettre la table et faire la cuisine et fournir des services aux frères. Layla n'est pas contente parce qu'elle veut sortir avec ses copines et s'amuser, mais son père est très strict et il ne le lui permet pas. Pour cette raison, Layla est rebelle. Mais par son malheur, ce n'est pas un aide et elle doit se marier avec un étranger de force. Bien, les deux familles dans le texte sont et différentes et similaires. L'un et l'autre sont familles de traditionnelles et aussi musulmans, mais la famille de Samia n'est pas si stricte que la famille de Layla. Par exemple, Samia peut prendre avec ses copines et ne doit pas aller chez elle immédiatement après l'école comme Layla. Nous sommes en train de faire un cours où il s'agit de femmes maghrébines comme Layla et Samia. D'abord, je peux dire des choses générales au Maghreb. Premièrement, le Maghreb est une région à l'Afrique du Nord. Et la région consiste de 3 pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Le Maroc est situé à l'ouest de l'Algérie et Rabat est la capitale. Le Maroc a été la colonie de la France et de l'Espagne. Et la colonisation du Maroc a duré environ 44 ans. Et ils ont été indépendants depuis le 2 mars 1956. Oui. L'Algérie est située entre le Maroc et la Tunisie, et Alger est la capitale. La France avait la puissance coloniale de l'Algérie depuis 1830, et ils ont été indépendants depuis 1962. Finalement, il y a la Tunisie et elle est située à l'est de l'Algérie. Oui, c'est vrai. Et Tunis est la capitale. La Tunisie a été une colonie française à 1841 de 1956. Oui, pas vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Et la plus grande religion au Maghreb est l'islam. Environ 98% des maghrébins sont musulmans.
On peut dire qu'en général, les femmes maghrébines sont plus opprimées comparées aux femmes de l'Ouest. Par exemple, il y a des divisions de sexe et elles n'ont pas la même liberté comme les femmes de l'Ouest. Entre autres choses, elles doivent porter hijab et aussi burqa. Et voilà, c'est tout. Au revoir.